Défendez l'objectif. Hey yo les gens, c'est la pomme verte. J'espère que vous allez tous bien parce que moi les gens, ça va tranquille. Alors aujourd'hui les gars, c'est une toute nouvelle vidéo, une vidéo assez spéciale puisque vous avez peut-être pu remarquer en début de vidéo l'intro de la AXA et en même temps ce que je suis passé sur la AXA. Donc les gars, que je vais passer sur AXA parce que là, alors où je vous commente le gameplay, je suis pas en train de passer sur l'AXA puisque voilà, je suis en train de le faire. Commentaire. Donc les gars, ça, je vous présente un peu le gameplay, puis après je vais faire je vais faire le topo de la classe, puis après je vais peut-être faire une présentation de ma je vais faire une petite présentation de moi avec présentation de ma chaîne avec quelques projets que je risque de faire plus tard. Donc les gars, c'était en démolition sur Red. Je vais pas vous le cacher les gars, c'était ma toute première partie. Ce sera une nucléaire au DSR-50, balle blindée, chargeur rapide avec en atout 1 détermination et poids léger, avec en atout 2 robustesse et en atout 3 dextérité. Alors après, en secondaire, j'avais un petit B23R. D'ailleurs, je ferai 4 kills ou 5 kills au B23R au moment où c'était vraiment vers le début et je m'attendais pas à faire la nuque en fait. Je voulais juste faire de la feed parce que je vous expliquerai plus tard. Dans une prochaine vidéo peut-être qu'est-ce que j'étais avant d'être youtubeur. J'étais killfeeder les gars avec plusieurs potes à moi, donc on faisait de la killfeed etc. Bref, c'était une petite parenthèse. Donc après j'avais une insertion tactique que j'utiliserai presque pas puisque j'aurais peut-être pu faire le perfect, mais c'est pas grave. Et j'avais oublié de vous préciser que j'étais en équipe. Qui dit être en équipe dit en groupe de 6. Et oui, donc je fais une grosse dédicace au mec qui était avec moi. Alors après les gars, j'avais en série de points drone de brouillage et microstation. Alors voilà, c'était vraiment un petit topo de la game, de ma classe, etc. Donc maintenant les gars, je vais commencer une présentation, puisque je voudrais bien vous faire une petite présentation. Alors les gars, moi je m'appelle Elias, j'ai 15 ans, mon pseudo sur YouTube et sur le PSN, c'est la pomme verte. Donc la pomme verte, on va dire que j'ai trouvé que j'étais en train de manger une pomme, ouais. Et je voulais choisir un nom et comme par hasard, j'ai dit la pomme verte et voilà, ça y est. Non, c'est pas effectué comme ça les gars, c'était juste ce que je trouvais bien, la pomme verte, je trouvais ça swag. Donc les gars, je suis sur les plateformes PS3, donc je joue principalement sur Black Ops 2, sur Ghost j'y vais je crois une fois tous les deux jours, même si c'est pas mon code préféré les gars, je préfère largement Black Ops 2 comme plusieurs potes à moi et plusieurs la plupart des gamers préfèrent Black Ops 2 à Ghost. Je risque de faire aussi une prochaine vidéo, la différence entre Black Ops 2 et Call of Duty Ghost. Peut-être je ferai un duel commentaire ou bien je le ferai seul, mais je risque de le faire bientôt. Alors les gars, comme je vous dis, j'ai 15 ans. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? On va dire j'ai commencé YouTube en septembre, je vais pas vous le cacher les gars, j'ai arrêté YouTube pendant un petit moment, puis je me suis créé une nouvelle chaîne, d'où la pomme verte en janvier ou février, je sais plus. Alors après, on va dire que j'ai monté rapidement, mais on va dire que les vidéos que je faisais n'étaient pas au top du top, parce que je mettais des 1-1 au sniper, comme je vous l'ai dit, j'étais killfeeder, j'étais un joueur et sniping, parce que... On va dire que j'ai choisi après le Deserto, puis après j'ai choisi la performance, on a arrêté le Deserto. Parce qu'on est tombé sur une team d'Osbooter et on s'est fait tout de suite... on s'est fait reboot notre co et tout de suite ça nous a poussé à arrêter le DE les gars. Donc comme je vous l'ai dit, après on a fait la performance et la performance ça a fait un petit coup de... Un coup de punch sur ma chaîne La Pomme Verte. Je m'attendais vraiment pas à avoir un nombre d'abonnés comme ça les gars, donc je vous remercie énormément pour les 343 abonnés. Alors après les gars, donc je vous disais la performance, sérieusement la performance au début je m'attendais pas à ce que je sois comme ça, parce que on va dire que avant je temporisais vachement pour une nucléaire, j'en faisais une tous les mois, un truc comme ça. Maintenant je me fais une nucléaire par jour, je suis content parce que avant je faisais vraiment que du solo. Et là maintenant je suis en équipe.
Et j'ai aussi une équipe soutien. J'ai des potes à moi, puisque maintenant je suis dans l'AXA. J'ai des potes à moi, puisque j'ai d'autres potes que l'AXA, les gars. Donc on joue aussi souvent ensemble. Donc les gars, les personnes qui jouent avec moi, donc grosse dédicace à vous. Alors sur ma chaîne, je fais principalement du Call of Duty Black Ops 2. Oui, je propose des gros massacres, des nucléaires, des doubles nucléaires, des triples nucléaires, que j'ai pas encore mis sur YouTube. Là, je vais pas tarder, je crois que je vais la mettre dans la journée de samedi. Samedi 30, 31, pardon, je crois, parce que demain, je crois que demain est le 31. Ou bien non, bref, ouais, je vais pas chercher sur le calendrier, les gars. On s'en balle vraiment les couilles, mais c'est pas grave. Excusez-moi pour le petit gros mot là. C'est un petit gros mot, c'est pas un gros gros mot, mais c'est un petit gros mot. On va dire qu'à un moment sur le gameplay, oui, j'avais dit que je voulais pas vraiment revenir sur le gameplay, mais finalement, je vais y revenir. Alors, parce que le truc, c'est que y avait un allié après qui. C'est un random, voilà, il a join. Parce qu'il y avait un mec de notre groupe qui avait quitté, je crois, ouais. Et donc, il a join. Il y a un random qui a join et tout de suite, il a posé toutes les bombes. Ce qui m'a fait vraiment stresser. Vous verrez qu'à un moment, il y aura un sniper. Là, il y aura la balle d'un sniper qui me frôlera. Bah, non, elle va pas me frôler, mais elle passera vraiment l'un côté de moi. J'ai vraiment de la chance sur ce coup-là. Ben, surtout quand on fait des nucléaires au DSR50, c'est sûr qu'il faut avoir quand même un peu de chance. Il y a du talent aussi, mais il y a aussi souvent de la chance, puisque s'il y a un adversaire qui vous louche complètement avec son arme, voilà, vous allez. Normalement, en duel, vous pouvez le gagner facilement, mais voilà. Bref, c'était une petite parenthèse. Donc, je reviens un peu sur ma présentation. Je joue principalement en groupe. Donc un peu les projets que je risque de faire dans mes dans sur ma chaîne YouTube si vous voulez parce que on arrive bientôt aux 500 abonnés et il y avait un pote à moi on a décidé hein, si vous voulez de créer un projet et ce projet ça va être un tournoi en fait de plusieurs abonnés et des membres de la BCFR. Une petite parenthèse les gars, je suis leader de la Blaze Clan FR, donc si vous voulez faire un petit tour sur la Blaze Clan, ben allez-y. On a mis une vidéo, on a je crois 113 abonnés, il me semble, je sais plus. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Donc on fera des tournois contre des abonnés. Tout ça ce sera en juillet, mi-juillet, mi-août, comme ça on fera des petits tournois. Des tournois fun sur plusieurs divers modes. On verra, ça pourrait être en HP, sur Turbine. Non, je déconne les gars, ça pourrait être, je sais pas, de la domination sur Raid, je sais pas, des trucs assez sympathiques. Mais par contre, il y a plusieurs règles, ne pas être rageux, être mature, voilà, on classera les abonnés s'ils participeront voilà, au tournoi. Parce qu'il faut d'abord postuler. Je ferai peut-être une vidéo normalement début juillet. Parce que quand même, oui, parce que sera vraiment une annonce pour que vous mettez. Trier votre PSN dans le commentaire et après ouais voilà vous mettrez votre PSN dans les commentaires pour postuler à ce projet. Donc les gars on va bientôt arriver au 30e kill. Attendez attendez attendez, quel hardscope, mais quel hardscope, oh là 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 là, mais quel PGM. Alors en hardscope, mais sur un PGM voyons. Attention attention Attention, attention les yeux, les gars, attention, attention. J'ai le B23R en main, attention, attention. Je vais faire un kill. Attention. Et ben non, puisqu'il y a Proteus qui est venu m'aider. Donc, quand je vous disais, les gars, que je fais une grosse dédicace à Proteus, c'est parce qu'il m'a vraiment aidé à des moments comme ceci. Alors voilà, quand je disais que le sniper, j'avais vraiment peur du sniper, ouais, c'était ce moment-là. Alors moi, j'ai tracé une boulette, les gars, j'ai tracé quelque chose, mais c'est un truc de malade, les gars. Je crois que je suis à 2 kills de Manuk, un truc comme ça. Attendez, attendez, attendez. Attendez, Proteus est revenu. Vous avez vu quand il m'aide? Attention, attention. Attention, il monte. Attention, attention. On va bientôt arriver. Donc, je vous disais, les gars, que ce projet, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Et que si vous avez des sujets à me proposer, allez-y, les gars. J'ai plein de sujets à vous proposer.
Non, plein de sujets que vous pouvez me proposer, excusez-moi les gars. Donc je viens de faire main nucléaire, 30 kills si vous voulez d'affilée au sniper et en même temps au BM3R. Donc vous avez, comme je vous ai dit tout à l'heure, 1 kill au BM3R, 1 kill au sniper, 1 kill fail au DSR, plus 1 kill au BM3R, puis je vais mourir. Et moi je vous dis les gens à plus si cette vidéo vous aura plu et si ce commentaire vous aura plu. Et moi je vous dis les gens à plus pour des prochaines vidéos. Alliés en approche.